Je suis à la jardinerie. Là, le but, c'est de pas acheter tout le magasin parce que j'ai envie de tout acheter. Tout. Des graines, des plants, des outils, des gants, alors que j'en ai plein. Voilà. Là, la plus grosse tentation chez moi, c'est la jardinerie. Regardez cet arrosoir, comment il est beau. C'est trop beau. Vraiment trop beau. Mais en même temps, si j'arrosais mes cultures avec ça, moi j'en aurais pour toute ma vie pour arroser. Mais en attendant, il est super beau. Eh, mais j'avais jamais fait attention. Mais ça doit être nouveau. Mais en même temps, je suis pas venue beaucoup cette année. Ils font des savons de chez Marius Favre. Ça déchire. Oh, puis c'est à peu près le même prix qu'on trouve sur internet. Mais je partage ma passion pour les outils avec mon mari. Et tous ces petits outils-là, moi je les ai pas tous, mais j'en ai une paire et je les ai tous achetés ici. Et ça fait plusieurs semaines que je me dis que quand je pourrais aller à la jardinerie, je prendrai de la terre de diatomée pour mes poules. Et bah, figure-toi que j'ai failli partir sans. Et il faut que je leur achète aussi des aliments parce que j'ai eu du blé par mon voisin qui est cultivateur. Donc je lui ai acheté du blé, mais il faut autre chose pour complémenter. Donc il va falloir que je trouve un aliment avec qui fasse 18 ou 19 d'apport protéiné. C'est le conseil de mon voisin qui a fait des études là-dedans, je crois. Donc je vais l'écouter bien sagement. Donc je vais prendre du maïs déjà concassé parce que ici, il y a du maïs qui n'est pas concassé, mais les poules ne le mangent pas, le maïs quand il n'est pas concassé. Et là, ici, il y a du blé. Et le blé, il est à 11,50€ les 25 kg. Et moi, j'ai payé 4€ les 20 kg à mon voisin. Donc, clairement, ça vaut le coup. Mais le maïs concassé, j'ai déjà essayé de le concasser. Ça prend un temps fou et ça marche pas bien. Puis moi, j'ai qu'un petit mixeur de cuisine. Donc, je vais prendre ça. Il y a de la graine de tournesol avec. Ça peut être pas mal. Ça y est, on sort et puis on va prendre aussi du terreau. Parce que j'ajoute du terreau régulièrement à ma terre. Parce que ma terre est archi morte et il n'y a que comme ça que j'arrive à avoir un petit peu de résultats. Donc là, on va prendre du terreau. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé que j'allais commencer le tri la semaine prochaine et que le jardin serait une de mes priorités. Mais finalement, ça sera notre priorité de ce week-end. Puisque mon homme ne travaille pas aujourd'hui, samedi. Du coup, bon, on va s'occuper de ça ce week-end, le maximum qu'on peut. Elle se jette dessus comme la misère sur le monde. Donc là, j'ai pas utilisé tout le grain et tous les compléments que j'ai achetés parce que je l'entrepose dans une poubelle, en fait, dans une poubelle qui ferme bien quand même, mais on sait jamais. Et du coup, tout ce qu'il me reste, je vais l'entreposer dans mon garage, à l'abri, au sec. Comme ça, si jamais il se passe un dégât avec la poubelle, on limitera la casse quand même, il n'y aura pas trop de pertes. Mais normalement, c'est quand même étudié pour. On a étudié la situation et la question.
c'est tellement lourd. J'ai pris les 3 sacs de terreau. Et honnêtement, c'est parce que je voulais pas faire plus d'aller-retour, mais c'était lourd. J'ai fait style que je gérais, mais en fait, j'ai géré, mais c'était compliqué. Bon, je vais commencer par ranger. Oui, j'ai des vieilles bouteilles d'eau, des pots, des tout ça qui traînent. En plus, il y a eu un bon coup de vent. Je vais arroser un coup mes plantes en seau parce que tiens, elles commencent à avoir soif. Et puis voilà, je vais regarder les tournesols que je peux ramasser. Et puis voilà. Après, j'ai une paire de semis à faire, j'ai une paire de plantations à faire. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement ce que je fais. Je vais mettre ça en accéléré. Donc je vais repiquer des salades, je vais replanter des carottes, je vais essayer de faire des petits pois aussi, je vais planter de la mâche, de la roquette, des épinards, je pense que ce sera déjà bien. À mon avis, de toute façon, j'aurais même pas fini aujourd'hui parce que là, mon mari m'a abandonné, il est parti faire une sieste, je lui en veux pas, hein. Il est fatigué de sa semaine, c'est normal. Voilà un petit aperçu de ce que donne le jardin avant. C'est le boxon, pour pas dire un autre mot. Donc là, la piscine est en train de se vider tranquillement. Bien évidemment, Marco s'enjaille avec l'eau qui coule. Et puis, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo pour faire un avant-après. Parce que j'ai une passion, en fait, pour les avant-après. C'est tellement satisfaisant, c'est tellement inspirant, ça motive tellement. Donc, je vais faire une paire de clichés. Puis je vais continuer ça. J'ai gardé quelques plants de courgettes, quelques pieds de courgettes plutôt, parce que ça repart. Alors, ça, il n'y a pas l'air d'avoir de fleurs mâles, ça a l'air d'être que des femelles, mais bon, c'est tout, on verra bien. Tac. Donc je les laisse parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, donc du coup je vais laisser ça. Et puis là je vais continuer, mais par contre je vais pas pouvoir filmer parce que j'ai plus de batterie. Donc je vais mettre mon téléphone à charger et puis je vous remontrerai après. Là, de toute façon, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est du rangement. Et je vais retirer mon gilet parce que je me suis bien activée et du coup, j'ai bien chaud. Alors ici, j'ai planté des batavia. Donc j'ai 6 pieds de batavia. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Mais c'est parce que c'est pas par là qu'il faut rentrer dans la cabane. C'est pour ça que ça ne va pas. Bon, mission sauvetage, je reviens. Donc j'ai planté 12 petites batavia. Et je ne vais pas cultiver que ça dedans parce que ça va me faire perdre quand même pas mal de place. Je vais mettre des radis entre les rangs. Donc les radis seront prêts à récolter avant les salades. Donc ça n'empêchera pas les salades de grandir. Et puis en fait, pour bien répartir les radis, pour qu'il n'y ait pas besoin de démarriage et tout ça, je mélange directement les graines au terreau. Donc, ici... j'ai mes graines et là j'ai le terreau et en fait je vais mélanger comme ça et ensuite après je mets dedans. Et voilà. Et ensuite après je rajoute un petit peu de terreau dessus. Margot a déjà rajouté pas mal de terreau. Et du coup, j'en ai déjà sur mes salades. Et ensuite, je vais bien arroser. Comme ça, les graines, elles vont s'enfoncer dans la terre. Et puis, ce sera bon. Il suffira juste d'arroser régulièrement. Parce que c'est quand même encore sec. Pas mal sec. Hein. La terre, j'ai dû la mouiller avant parce que la terre en dessous, elle est toute sèche. Elle est archi dure. Et voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des portes de douche dessus. C'est pour les protéger du chat, parce que le chat, il prend son jardin, prend le jardin pour sa litière. Mais il a fait ça dans les carottes, c'est déjà un carnage. Et donc,
Bah, je veux pas qu'il fasse ça avec ces semis-là. Donc par-dessus, je mettrai les portes de douche. Et voilà, alors ça donne ça. Donc bah, Margot a fait un carnage, elle est arrivée avec le sachet de graines et elle me l'a retourné. Donc j'essaie de disperser du mieux que je peux, mais à mon avis, je vais quand même avoir du boulot pour retirer tout ça parce que bah, elle m'en a mis beaucoup, beaucoup. Et puis bah, du coup, j'ai même plus de graines de radis. Bon, elle a voulu m'aider, mais ça aurait été bien qu'elle me demande avant. Et donc là, je vais mettre les plaques, enfin les portes de douche en fait, vitrées pour protéger. Je pense plus qu'on va avoir d'énormes chaleurs avec du soleil qui tape. Mais si jamais c'est le cas, j'ouvrirai pour que ça aère parce que sinon, ça risque de cramer. Et bah, si je vois qu'il pleut pas trop fort, mais qu'il pleut suffisamment pour bien arroser la terre, j'ouvrirai aussi pour qu'il y ait un arrosage plus naturel. C'est quand même autre chose. Mais là, clairement, on a besoin d'arroser en plus de la pluie parce que bah, il repleut un peu, mais c'est pas suffisant. Et puis, ça va, on a eu quand même des belles pluies. Et du coup, mon récupérateur d'eau est plein. Hop. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est pas trop regarder les bestioles qui peuvent se cacher dans les petits trous, parce que dans les petits renfoncements, parce qu'en général, il y a de la bestiole. Et voilà, j'ai planté aussi les scaroles frisées juste ici. Donc ça, ce sera pour faire... Ça, c'est la branche de pommier. Ça, ce sera pour faire les saladolars. Donc tout ici, j'ai arrosé au taquet parce que bah, c'est sec, c'est sec. Et là-haut, alors est-ce que je vais réussir à zoomer? Oui. Ce sont les feuilles de chêne de Grenoble. Donc il y en a 12 de chaque. Alors, je ne paille pas, je ne paille plus parce que l'année dernière, j'ai paillé tout mon jardin. Donc en été ça s'est bien passé, par contre automne-hiver, eh ben, toutes mes cultures, elles ont été bouffées par les rongeurs parce qu'en fait les rongeurs ils se planquent en dessous de la paille, ils se font leur petit nid et après ils n'ont plus qu'à, bah, plus qu'à aller au self et bah, ça me saoule en fait. Donc du coup voilà, je ne paille pas, je ne veux pas les attirer davantage. Là ici il y a la paille de cet été que je vais retirer et puis ici il y a un mélange de paille et surtout de tonte parce que bon la paille ça ne fait absolument pas tout. Et voilà. Alors, on est dimanche matin. Hier, on a continué, mais après, au bout d'un moment, stop. Donc, on continue. Et ce matin, on passe le Karcher sur la terrasse. Donc, on voit bien là où était posée la piscine. Bon, le Karcher, c'est la passion de mon mari. Donc, c'est lui qui le fait. Moi, je vais continuer à ranger. On a démonté la piscine hier. Donc, c'est là. C'est en train de sécher. La bâche, il faudra passer un coup dessus. La pompe, pareil. Et puis, on va ranger tout ça comme ça. C'est de l'histoire ancienne pour nous. Il ne fait plus une chaleur suffisante pour pouvoir aller dans la piscine sans que l'eau soit gelée. Et surtout, c'est plus d'actualité pour nous. Ça, c'est son cadeau de fête des pères qu'on lui avait offert avec les enfants il y a 3 ans, je crois. Parce que celui qu'il avait était abîmé. Et moi, de mon côté, j'ai enfin réussi à retirer le filet de la cage de foot. Parce que j'y suis depuis hier, j'y arrivais pas et là, j'ai réussi ce matin. Bon, je me suis arraché le dos, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, le filet, je vais le passer à la machine. Alors, je sais pas si ça craint. Sinon je vais le passer, je vais le faire tremper dans le percarbonate de soude et de l'eau chaude pour le ravoir bien blanc. C'est juste pour une question d'esthétique parce que c'est à l'extérieur. Et puis l'ossature, on va la monter au grenier. Ça évitera de nous prendre de la place dans le garage et dans la cabane de jardin parce que cette année on va commander une palette de pelée pour notre poêle. À peler du coup. Et du coup ça va prendre plus de place dans le garage, donc j'aimerais autant avoir plus de place du coup. On avance super bien et maintenant il va falloir ranger tout ce bazar.
Et voilà, c'est rangé. Donc alors ici c'est toute ma collection de seaux, de godets, de pots. On n'en a jamais assez, j'en ai aussi ici. Voilà, ça c'est rangé et du coup Margot, elle adore. J'ai retourné un petit peu mon compost et je l'ai arrosé surtout parce qu'il est archi sec. Je ne l'avais pas trop arrosé pendant la sécheresse, mais là je l'arrose parce qu'il évolue plus. Et puis là, il est saturé en carbone, donc il va falloir que je rajoute des matières azotées. Donc pendant un petit moment, mes déchets de cuisine, donc mes épluchures, tout ce qui est carottes, concombres, salades, etc., etc., je le mettrai dans le compost plutôt que de le donner aux poules, parce que là, mon compost, il a faim d'azote, clairement. Et puis, la petite surprise, il y avait des pommes de terre dans le compost. Donc ça, j'avais vu hein, les plants de pommes de terre, j'avais vu des pieds en fait sortir, mais régulièrement en fait ils disparaissaient. Il y en avait beaucoup plus que ça, mais il y en a eu énormément de mangés par les rongeurs. Donc voilà, on a ça. Bah, c'est pas grand chose, mais ça va nous faire un petit repas. Et clairement, il n'y a rien de plus satisfaisant en fait que de trouver quelque chose que t'as pas cultivé, t'as rien fait pour en fait, et c'est déjà là. Mais c'était le but aussi. Je mets mes épluchures de pommes de terre toujours dans mon compost pour pouvoir avoir une belle surprise. C'est la première année que je fais ça. Et là, je suis trop contente. Donc, ça va être des petites pommes de terre rissolées à la poêle. Et ça va être une tuerie. Et voilà, le rangement, c'est terminé. Il ne restera plus que du nettoyage à faire. Donc, du désherbage surtout. Parce que, qu'il y ait des mauvaises herbes, ça ne me dérange pas trop. Mais il y en a qui poussent même dans l'herbe. Bon, c'est pas du gazon, c'est de la simple herbe. Mais c'est pas top. Et puis surtout, j'ai des chardons. Comme ça. Ce genre de chardon-là. Et ça, ça pique vraiment très fort et ça vous laisse des échardes dans la peau. Et ça s'infecte et ça fait super mal. Et j'en ai qui poussent absolument partout. Bon, ça c'est le lot quand on habite à côté des champs. Donc ça, je vais m'occuper de les retirer. J'en ai un petit peu partout. Et puis voilà, faire après un petit coup de nettoyage au niveau des mauvaises herbes. Et puis voilà. Bon, mon jardin, c'est pas un jardin à la française, hein, je vous en ai déjà parlé. Je l'aime comme il est, même si là, il est sec. Là, clairement, mon jardin, il est sec. J'ai quand même une paire de fleurs qui ont poussé là, des hélianthus. L'année dernière, j'en avais plein ici, mais là, ça n'a pas bien poussé. Et devant, c'est pareil. Donc voilà. Maintenant, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.